Hello, hello, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans les temps du blues. Nous sommes samedi 30 mars 2019, un petit blues qui va bien pour commencer, bien sûr. Alors, aléa du calendrier, mais après Jazz Guillaume hier, on va évoquer un autre harmoniciste, Sonny Boy Williamson, premier du nom, né le 30 mars 1914. Alors, autre coïncidence, je n'y peux rien, tous deux ont joué un rôle de premier plan dans l'élaboration du blues urbain à Chicago dans les années 30, chez Bluebird. Et comme je le précisais aussi hier, Williamson a même succédé à Guillaume en tant qu'harmoniciste pionnier, on va dire. Mais là, s'arrête la comparaison, car vous savez comme moi que ce Sonny Boy était bien meilleur que Jazz Guillaume. C'est même un des grands créateurs de l'instrument et l'un des plus influents du blues. Voilà. Alors, il s'appelait en réalité John Lee Curtis Sonny Boy Williamson, c'est le nom complet. Il vient de la région de Jackson, mais c'est pas dans le Mississippi, c'est dans le Tennessee. Il va arriver à Chicago en 1934 et il va commencer à enregistrer 3 ans plus tard. Et justement, dès 1937, il signe ses premiers chefs-d'œuvre, hein, Good Morning Little School Girl, Sugar Mama Blues, ou encore Early in the Morning, puis de toute façon, il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Alors le succès sera au rendez-vous, et pendant 10 ans, jusqu'en décembre 1947, le rythme des enregistrements de Sonny Boy, il va pratiquement pas ralentir. Et seul son assassinat en juin 1948, à 34 ans, mettra fin brutalement à sa carrière, qui était évidemment loin d'être finie. On saura ainsi jamais comment sa musique aurait évolué avec l'avènement de l'amplification électrique des instruments qui va arriver peu après. Il nous reste donc son œuvre fondamentale, bien sûr, alors basée sur une drôle de voix étrange, un peu nasale, mais très expressive, et puis des textes devenus des standards du blues, il ne faut pas l'oublier, et bien sûr ce jeu d'harmonica novateur qui a changé le cours de l'histoire de ce petit instrument. Alors grâce à son esprit inventif, il en a fait un instrument soliste, lui donnant une place au premier plan qu'il n'avait pas juste que là, et puis en plus qu'il ne va plus quitter tant qu'à faire. Bref, tous les harmonicistes lui doivent quelque chose. On va l'écouter sur une de ses premières phases de 1937, Sugar Mama Blues, qui démontre combien il était moderne pour l'époque, hein. Ça fait 80 ans, mais vous allez voir. Et en plus, il est accompagné aux guitares de Big Joe Williams et Robert Lee McCoy, futur Robert Nat Hawk. Allez, on envoie ça. Sugar mama, please come back to me. Sugar mama, please come back to me. Bring me my graduated sugar. Sugar mama, and try to ease my misery. You've got this new grade of sugar. Sugar mama, you done made me love you too. You've got this new grade of sugar. Sugar mama, you done made me love you too. You've got this graduated sugar. Sugar mama, ain't nobody else got but you. They've been bragging about your sugar. Sugar mama been bragging all over town. They've been bragging about your sugar. Sugar mama bragging all over town. 90 bootleggers want you to sell them enough to make whiskey, but you won't sell them but about 4 or 5 pounds. Night. Don't get
getting my sugar three times a day. Oh Lord, and I don't feel right. Sugar Mama Blues, Sonny Boy Williamson, premier du nom, qui était né le 30 mars 1914, c'est pour ça qu'on l'évoquait. Alors, page sur scène, j'ai repris un peu le principe de la rubrique Un blues un jour en première partie, en cherchant un concert datant du 30 mars. Et finalement, ça m'a pas pris beaucoup de temps, je suis assez vite tombé sur un concert de Rory Gallagher, enregistré le 30 mars 1990 à Baden-Baden en Allemagne. Ah, je sais, Rory Gallagher, un peu inclassable, rock, blues, blues rock, boogie rock et même hard rock. Il a évolué aux frontières de plusieurs genres, hein, Rory, quand même. Alors, sa période hard rock, perso, elle me laisse quand même assez indifférent, il faut bien le dire, mais je l'ai vu deux ou trois fois en concert avant cette époque, au tournant des années 1970 et 1980, comme on dit, après avoir écouté en boucle ce fameux live qui était l'Irish Tour de 1974. Et puis je me souviens de son incroyable générosité sur scène, il fallait le virer, hein, sinon il restait toute la nuit, de sa façon touchante de s'adresser au public aussi, avec cette phrase qui revenait toujours quand il annonçait un morceau, « Hope you like it, j'espère que vous aimerez ». Je me souviens peut-être surtout de ses pauses qui venaient rompre comme ça le fil de ses spectacles, durant lesquels il sortait alors un bottleneck, une guitare acoustique, un dobro ou une bandoline, et hop, il se plongeait comme ça dans un blues sincère, parfaitement bien assimilé. Et du moins, à mon sens, il faut reconnaître que la magie opérait quand même. Voilà. Alors, plus tard dans sa carrière, malgré le durcissement de sa musique, hein, et puis des problèmes de santé qui vont aussi le transformer physiquement, il va jamais renoncer à s'octroyer ses parenthèses sur scène. Et je vous propose donc de l'écouter, évidemment, lors de l'un de ses moments un peu intimistes, dans ce contexte, seul avec son dobro, pour un morceau qui s'appelle « Wanted Blues ». Thank you very much indeed. Thank you. You, baby, I want to know just what you plan. Now when I go to work, do I have to wear a uniform? Now when I go to work, do I have to wear a uniform? Don't worry about a thing, baby, I keep the damn thing on. Tell me exactly what you plan. Now when
I go to work, do I have to wear a uniform? When I go to work, do I have to wear a uniform? Don't you worry about a thing, baby, keep your darn thing on. All right. Moving on over, baby, ought to take me home. Moving on over, honey, ought to take me home. I'm a hard-working man, I can't live all on my own. I'm a hard-working man, baby, can you live on your own? Get into the bedroom, honey, get the bedroom up. Wanted Blues, c'était donc Rory Gallagher le 30 mars 1990 en public à Baden-Baden en Allemagne pour la rubrique bien sûr sur scène. Eh bien, on va se quitter presque maintenant. Hein. Vous allez sur mon site internet si vous le voulez bien, letempsdublues.com pour voir des précisions sur tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne bien entendu. Et puis demain, eh bien, ce sera dimanche, donc on bouclera la chose, hein, si je puis m'exprimer ainsi, avec du gospel. Salut, merci.